Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment petit, peut-être 6 ans. J'étais avec des gens de mon église en train de faire un barbecue près d'une rivière. Tous les enfants se baignaient dans l'eau. Je ne savais pas encore nager, alors j'avais avancé dans l'eau jusqu'à la taille, dans la partie peu profonde. À un moment donné, cette fille s'est approchée et a joué avec moi. Nous nous éclaboussions l'un l'autre. Ce qui était bizarre, c'est qu'elle devait avoir probablement 13 ans et que je ne l'avais jamais rencontrée, même si je connaissais tout le monde là-bas. Apparemment, personne ne faisait attention à nous. Elle a commencé à me pousser de plus en plus loin, là où je n'avais plus pied. Elle n'arrêtait pas de rire. Ma tête n'arrêtait pas d'aller sous l'eau. J'ai essayé de m'agripper à ses bras alors qu'elle me poussait, mais elle a pu facilement se libérer de la prise. Le léger courant m'éloignait lentement de mes amis et de ma famille pendant que je luttais. Je paniquais. J'avais de l'eau dans la bouche, mais elle n'arrêtait pas de me pousser de rire. Je pouvais pas avoir l'air de m'amuser. J'essayais de crier. Je n'étais hors de l'eau que le temps de respirer. Chaque fois que mes pieds touchaient la boue pour remonter, elle me poussait à nouveau. Je n'arrivais pas à croire qu'elle riait. J'étais sûr que j'allais me noyer, et personne ne semblait s'en apercevoir. De toutes les personnes pouvant intervenir, c'est Gary, le tyran de mon enfance, qui a choisi de se pointer. Il avait toujours été un crétin envers moi, violent mentalement et physiquement. Et j'ai le sentiment que ce jour-là, il m'a sauvé la vie. Il est arrivé et a dit à la fille de s'éloigner de moi. Il m'a attrapé par le bras et m'a tiré jusqu'à ce que je retrouve pied. Puis il s'est enfui et a continué à jouer avec les autres enfants de son âge, comme si de rien n'était. La fille était déjà loin. J'ai continué à jouer. Et comme pour tant d'autres choses, je ne l'ai dit à personne. Cette histoire n'est pas de moi, mais de ma patronne. Elle m'a raconté l'histoire il y a quelque temps et je l'ai trouvée vraiment inquiétante. Elle a 4 enfants, et quand ils étaient plus jeunes, elle conduisait une voiture familiale de cette place, quand elle est tombée en panne sur le côté d'une autoroute. Elle s'est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence et a mis ses feux de détresse, a sorti les enfants de la voiture et les a placés derrière la glissière de sécurité. Elle a utilisé la bande d'appel d'urgence et a contacté son mari. Bref, tous les trucs standards quoi. 10 ou 20 minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée derrière elle, avec un type plutôt beau et sympa à l'intérieur. Il a dit qu'il vivait pas loin de la sortie située au virage suivant et qu'il l'avait vu. Il avait alors décidé de prendre la voiture pour voir si elle avait besoin d'aide. Pendant tout ce temps, ma patronne m'a dit qu'à aucun moment elle ne s'est sentie mal à l'aise avec lui. Le gars semblait vraiment préoccupé par le fait que les enfants étaient sur le bord de la route et lui a proposé de les ramener chez lui pour prendre une tasse de thé en attendant les dépanneurs. Il avait même dit qu'elle pouvait appeler les dépanneurs et son mari pour leur dire qu'elle allait se mettre en sécurité chez lui. Elle a refusé, uniquement parce qu'elle avait 4 enfants avec elle. Elle a dit que si elle avait été seule, elle aurait probablement accepté l'offre au vu de sa gentillesse. Il a encore un peu insisté, puis a finalement haussé les épaules et est reparti. Quelques semaines plus tard, elle a vu sa photo dans le journal. Il s'était arrêté pour aider une autre femme qui était tombée en panne et il l'avait assassinée après lui avoir offert de l'emmener chez lui. À ce jour, elle soutient qu'elle n'a vraiment vu aucun truc louche chez ce type. Et la seule raison pour laquelle elle est en vie, c'est grâce à la présence de ses enfants. C'est l'une des nombreuses histoires que mon père m'a racontées quand j'étais petite fille. Des histoires sur ses aventures en autostop, quand il avait quelques années de moins que mon âge actuellement. J'ai 28 ans. C'était une super tête brûlée. Il était à chaque fois accompagné de son pote Jonas, avec pour seul bagage sa guitare et ses pieds. Apparemment, il était arrivé en Géorgie, il était crevé. Mais il avait besoin de parcourir quelques villes de plus pour se rendre à un concert le lendemain. Ils ont parcouru des kilomètres à pied et ont essayé d'attraper une voiture pendant des heures sans succès. Il commençait à perdre espoir quand une camionnette s'est rabattue et s'est arrêtée pour les laisser rentrer. Mon père est monté à l'avant et Jonas est monté à l'arrière. Jonas a remercié le conducteur et s'est endormi, laissant mon père éveillé avec ce type qui les conduisait. Selon lui, les choses ont été inquiétantes dès le début. Le chauffeur a demandé où ils allaient et pourquoi ils avaient des guitares.
puis si mon père savait bien jouer. Mon père lui a parlé des Grateful Dead et de la façon dont il jouait. Mon père transportait habituellement un banjo, mais il l'avait laissé à la maison. Le type devint super flippant et dit « J'ai toujours voulu tuer un de ces guitaristes. » Mon père a commencé à paniquer à ce moment-là et m'a dit qu'il avait juste ri nerveusement. Mais qu'en même temps, il avait essayé d'être aussi discret que possible, en essayant de réveiller Jonas. Les choses devenaient de plus en plus tendues. Il a demandé au conducteur s'il voulait bien s'arrêter dans une station-service. Il a répondu sèchement non. Ensuite, mon père a demandé combien de temps il restait avant qu'il n'arrive à la prochaine ville. Aucune réponse. Mon père a fini par se taire, complètement. Après quelques heures de conduite, Jonas s'était réveillé entre-temps. Le cas est devenu vraiment excentrique. Il leur a demandé s'ils avaient déjà vu une mort bien violente. Il a commencé alors à défoncer des boîtes aux lettres et des panneaux de signalisation avec sa camionnette. Et il a fini par heurter un chien, tout en riant tel un vrai maniaque. Mon père et Jonas ont ri avec lui jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent finalement à une station-service et qu'ils puissent prendre leurs affaires et fuir. Ils ont finalement raté le concert. Mais je suis content que mon père n'ait pas été le guitariste que le conducteur cherchait. C'est arrivé à ma mère au début des années 80 dans mon pays natal. Ma mère venait de donner naissance à ma sœur. Elle était complètement seule, mère célibataire, sans personne à ses côtés, pas même un ami ou un collègue. Sa famille vivait dans une autre région et elle avait gardé le silence sur sa grossesse. Ma mère a donné naissance à une petite fille en bonne santé dans un hôpital public. Parce qu'immédiatement après, une nonne a commencé à suivre ma mère dans l'hôpital et a fini par lui dire qu'un couple était intéressé pour recueillir ma sœur, si elle était prête à l'abandonner. Ma mère a bien sûr refusé, et a demandé à la nonne de la laisser tranquille. C'était arrivé le matin. Le soir même, vers 1h du matin, l'infirmière qui s'occupait de ma mère, une dame plus âgée, l'a réveillée à la hâte, et lui a fait faire ses bagages. Elle lui a dit « Chérie, ils vont prendre ton bébé. Si tu veux le garder, tu dois partir maintenant. » « Je vais l'amener, mais tu dois partir maintenant. Si tu restes, elle sera partie demain matin. » Ma mère, la peur au ventre, s'est enfuie avec ma sœur au beau milieu de la nuit, toujours dans la douleur. L'infirmière Amélia avait été assez gentille pour donner de l'argent à ma mère pour un taxi, qu'elle avait elle-même commandé. Ma mère a finalement donné le nom de l'infirmière à ma sœur, Amélia. Malheureusement, cette histoire n'était pas un cas isolé à l'époque. Le pays était encore sous une dictature où on sortait, je m'en souviens plus très bien. Alors les gens du gouvernement et les plus riches faisaient ce qu'ils voulaient. Les enfants de mères pauvres et célibataires étaient généralement emmenés et donnés en adoption à des couples riches qui avaient payé les médecins de l'hôpital pour des bébés en bonne santé. C'est dingue, mais ma mère a eu beaucoup de chance. Encore merci, infirmière Amélia. Quand j'étais enfant de 3 à 6 ans, ma mère a emménagé près de Sao Paulo, dans une petite ville près de la forêt amazonienne. Elle était célibataire avec 2 enfants, mon frère n'avait qu'un an de plus que moi. Nous étions riches à l'époque, et d'ailleurs nous avions l'air riches. Même si ma mère n'aimait pas le montrer, nous avions toujours de beaux cheveux et une belle peau. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens riches ont l'air riches, même quand ils ne cherchent pas à le montrer. La seule rue goudronnée de la ville était la rue principale qui reliait 2 autoroutes. Toutes les autres rues étaient en terre. Il n'y avait pas d'immeuble. Ma maman nous avait acheté une belle maison bleue. La maison avait une petite cour avant et une immense cour arrière, avec de l'herbe ainsi que des manguiers et des papayers. Elle travaillait toute la journée. Nous allions à l'école le matin et passions l'après-midi à jouer avec les enfants du quartier. Nous avions une bonne à la maison qui prenait soin de nous. Lorsque ma mère arrivait le soir, la bonne rentrait chez elle. Un jour, ma mère s'est réveillée assez tard. Elle n'avait pas entendu le réveil, et nous non plus d'ailleurs. Nous ne nous étions pas réveillés avant midi. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Mon frère se réveillait toujours tôt et tout seul. C'est là qu'en se réveillant, ma mère a réalisé que toute la maison avait été retournée. Après nous avoir réveillés sans rien comprendre, ma mère est allée à la cuisine pour préparer le petit-déj.
et elle a vu qu'il manquait tout l'électroménager. La télé, la chaîne stéréo, même de la nourriture et des bijoux, des vêtements. Tout était dans un foutoir pas possible. Effrayée, elle a appelé son frère qui habitait à quelques maisons d'ici. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, elle nous a fait rester dans nos chambres et a commencé à faire le tour de la maison. Ils ont découvert avec son frère que quelqu'un avait laissé échapper du formol dans le système de climatisation. Alors qu'on était tous évanouis, ils sont rentrés dans la maison et ont volé tout ce qu'ils pouvaient. J'avais 4 ans. Mon frère en avait 5. Je me souviens de tout. Il y avait des barreaux en fer sur la fenêtre. Ils les avaient découpés à la scie. Maintenant que j'ai 30 ans, je pense qu'ils auraient pu nous faire tout ce qu'ils voulaient. Ils auraient aussi bien pu nous tuer, nous kidnapper. Le plus effrayant, c'est qu'on est resté 2 ans dans cette maison.